Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Troisième partie, opération matricielle et labyrinthe. Donc, on va voir les transformations des labyrinthes via des opérations matricielles. Donc, pour que les opérations soient valides et qu'on peut les étudier, il faut que les résultats des opérations que l'on fait restent bien dans l'ensemble des matrices binaires de taille n. Pour qu'on puisse étudier des opérations matricielles, il faut que le résultat de l'opération ait des coefficients qui appartiennent donc à z sur 2z. Sachant que z sur 2z, je vous rappelle, z sur 2z, c'est égal à l'ensemble 0, 1. Donc ce qu'on va faire, donc à chaque fois qu'on va étudier une opération, voir si le résultat, donc les coefficients, la matrice résultat, appartiennent bien à z sur 2z. Alors, première opération qu'on va voir, transposer de matrice. Donc on va se donner une matrice qui appartient, donc matrice binaire de taille n, donc A1, A1n, AN1, ANN. Donc on va noter plus simplement A est égal à AIJ avec I compris entre 1 et n, et J compris entre 1 et n. Alors on va noter transposer de matrice A à T. Donc AT a pour coefficient A bar IJ. Et bien ces coefficients, c'est AJI. Pour tout, A inférieur à I inférieur à N, A inférieur à J inférieur à N. Les coefficients A bar IJ appartiennent bien à Z sur 2Z parce que tous les coefficients AIJ et donc AJI appartiennent bien à Z sur 2Z. Donc, transposé de A, ça appartient à l'ensemble des matrices binaires de taille N. Alors, petit exemple, soit A, donc on va dire 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, on a cette matrice. Eh bien, la transposée se construit de la manière suivante. Si on trace la diagonale principale, a pour, donc c'est les coefficients de type A, I, I, et donc A bar I, I, eh bien c'est A, I, I. Donc les coefficients de la diagonale restent le même. 1, 0, 0. Et maintenant, on fait une symétrie axiale par rapport à la diagonale principale. Donc 1, 0, ici ça va être 0, 1. 1, 1, donc ici ça ne change pas, 1, 1. 0, 1, 1, 0. Donc voici donc la matrice transposée. Sur SCAS, on va voir quel est le changement opéré sur les labyrinthes associés à ces deux matrices. Donc voir s'il y a un changement de profondeur et de complexité. Donc ici, on rappelle les différents algorithmes. On a aussi, on a créé un algorithme création labyrinthi qui prend une liste de matrices et qui trace les labyrinthes associés côte à côte. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc ici on va mettre A. Alors ici A 1 0 1 1 0 1 1 0 0. A c'est bien ça. B, donc ça va être transposé de A, transpose de A. Donc 1 1 1 0 0 0 1 1 0. Donc on peut mettre A transposé de A. Donc ici on voit une symétrie axiale
Donc on voit, donc si on trace la symétrie axiale ici, donc ces diagonales ne changent pas. Et par contre ici, cette diagonale, elle se met ici, cette diagonale, elle va se mettre ici, etc. etc. Alors ensuite, liste des chemins, donc transpose A, et vous voyez, donc la liste des longueurs subit une permutation, mais il n'y a pas de changement. Vous voyez, il y a 3, 1, ici, 2, 6, 7. Donc, ici, profondeur, eh bien, c'est les mêmes. Et complexité, ici. Donc, si. Donc, complexité du labyrinthe, ça reste les mêmes. Donc, pour des transposés de matrices, les labyrinthes associés ont même profondeur et même complexité. Alors maintenant, on va parler de matrices opposées. Donc, matrices opposées. Donc, on va considérer une matrice A. On va considérer une matrice A, AIJ, A inférieur à I, N, donc I compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et N. Bien entendu, ça appartient à la donc, matrice binaire de taille N. Alors, on appelle matrice opposée de A, donc la matrice B, de coefficient BIJ, I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et N, la matrice telle que BIJ est égale à 1 moins AIJ. Alors, on va montrer que BJ appartient à Z sur 2Z. Donc si AIJ égale à 0. BIJ, là, il va être égal à 1 moins 0, bah, c'est égal à 1. Et si AIJ est égal à 1, bien BIJ est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc ici, BJ, c'est 0, 1. Si AIJ est égal à 1, si AIJ est égal à 0. Et donc ça appartient bien à Z sur 2Z. Donc la matrice a même taille et les coefficients appartiennent à Z sur 2Z, donc B appartient bien à l'ensemble des matrices binaires de taille N. Alors, petit exemple, A, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. B, matrice opposée. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. En fait, on transforme tous les 1 en 0 et les 0 en 1. Donc maintenant, on va voir l'effet de cette transformation sur les labyrinthes. Donc A, ça va être 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Matrice opposée, B. Matrix donc de dimension de A, donc dimension A0, dimension A1, et on va faire KJ, KJ, ça va se transformer donc les coefficients, ça va être 1 moins AKJ. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Très bien. C'est bien la matrice. Donc AB. Hop, voilà comment ça se transforme. Et on verra que n'y a pas même profondeur et même complexité. Donc, liste chemin A et B. Profondeur ici, 5. Profondeur de, donc, du labyrinthe A, c'est 5. Profondeur du labyrinthe B, c'est 11. Donc, profondeur 5, profondeur 11. Et ici, complexité, même complexité. Donc, 18, 18. Alors, on va refaire un test sur d'autres matrices. Donc, ici, je vais faire ça, par exemple. Profondeur différente, complexité différente. Donc, ici, on ne peut pas
On ne peut pas énoncer une propriété pour la complexité et les profondeurs de labyrinthe. Alors maintenant, troisième opération, on pourrait s'intéresser à la multiplication de deux matrices. Sauf que ici, si on fait cette matrice 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, et B, 1, 1, 1, ici 1, 1, 0, 1, 0, 0. Donc, on va s'intéresser à A fois B. Donc, A fois B. Donc ici, on va faire ce produit sur Iscas. Ici, on va faire A, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, A fois B. Et A fois B nous donne donc ici 3, 1, 2. 3, 1, 2. 2, 0, 1. 2, 1, 2. Ainsi, cette matrice n'appartient pas aux matrices binaires de taille n. Donc, on ne peut pas utiliser cette opération sur... Donc sur les transformations de labyrinthe. Alors ce qu'on va plutôt étudier, c'est la multiplication matricielle dite d'Hadamard. Donc la multiplication d'Hadamard. Multiplication d'Hadamard, je vous l'explique tout de suite. Donc A égale à AIJ, I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N appartenant à matrice binaire de taille N. B égale à BIJ, I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N, appartenant à la matrice binaire de taille N. Alors, multiplication d'Hadamard, le résultat ça va être C, A fois Hadamard, H, B. Eh bien, c'est la matrice C. IJ, 1, I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N, tel que CIJ est égal à AIJ fois BIJ. Alors, ici on peut faire un tableau. Donc ici, AIJ. BIJ. Et là, on va faire, là, c'est CIJ. Donc 0, 1, 0, 1. Là, on fait la multiplication. 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. Alors, CIJ, là, c'est égal à 1 si AIJ et BIJ. Donc, si AIJ est égal à 1 et BIJ est égal à 1. Sinon, bah, c'est 0. Et donc, CIJ appartient bien à Z sur 2Z, donc C appartient bien à matrice binaire de taille N. Alors, petit exemple, A égale à 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, B égale à 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc c'est A fois Hadamard B, c'est égal à ici 0 fois 1, 0, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc on va faire maintenant les transformations de labyrinthe avec Iscas. Alors, ici A pour coordonnées. Donc 0 1 1 1 0 1 1 0 0. B ça va être 1 1 1
1, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà, c'est enfin, matrice de dimension la matrice A. Et donc ici on va faire AKJ fois BKJ. BKJ. Voilà. Donc là on va mettre ABC. On va grandir un peu. Non, pas de temps. L, ça va être ça. Hop. Alors, est-ce qu'il y aura un changement de liste de longueur? Alors ici, chemin, liste de longueur de chemin. Pour C. Et donc, on va faire prof labi LC. Ici, même profondeur pour tous les pour tous les labyrinthes et complexité. Ici, on prend la complexité minimale. Et ici, complexité 14, donc la résultante, ça va être 14 en complexité. Donc voilà pour ces trois opérations. Si vous avez d'autres opérations à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer. Et donc ici, s'arrête l'exploration de notre problème.